Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'un gigantesque projet qui devrait voir le jour malgré la crise. Il s'agit de la reconversion du site des casernes de Libourne en pôle eunotouristique avec 50 000 m2 d'espace commercial dédié au vin et au luxe. Derrière lui, c'est l'homme d'affaires bordelais, Michel Wayon, qui a créé le célèbre Grand Hôtel à Bordeaux. Il est venu dévoiler les grandes lignes de cet audacieux projet il y a quelques jours. Ce serait donc le plus grand pôle eunotouristique en Europe avec pas moins de 150 marchands de vin. Et et des millésimes particulièrement rares qui seront mises en vente. On y trouverait aussi bien des restaurants, des brocanteurs qu'un hôtel 5 étoiles et même un musée mariant les vieilles automobiles et l'art contemporain. Michel Hoyon va y investir plusieurs centaines de millions d'euros. Il espère attirer entre 6 et 8 millions de visiteurs par an à l'horizon 2023. C'est un projet particulièrement osé. Le site est déserté depuis 2009. À l'époque, il accueillait l'école de sous-officiers de la gendarmerie nationale.